السلام عليكم مازول فلاون بونجور. Dans une émission précédente, j'avais affirmé que la visite de Sisi Ier en Algérie avait pour objectif, entre autres, plus ou moins urgent, de mettre au point une alliance militaire pour prendre la Libye en étau. Et, en même temps, soit apporter une aide au sol à une éventuelle intervention occidentale, soit s'y substituer intégralement en y jouant le rôle de gendarme régional. Ce qui ne fait désormais plus de doute est que cette alliance recevra ses ordres de qui on sait. Ce sont ceux qui sont derrière la réélection de Bouteflika, l'éviction de Morsi et l'élection de Sisi, qui tireront les ficelles à Pantin. L'Égypte et l'Algérie, quant à elles, tireront les marrons du feu, si je peux dire. La Libye est à feu et à sang. Contrairement à la Tunisie, qui a su empêcher la contre-révolution de faire exploser le pays, la Libye a très vite succombé à l'anarchie et à la violence civile. Il faut dire qu'en Tunisie, contrairement à tous les pays qui ont été secoués par le printemps dit arabe, le peuple tunisien avait réussi à maintenir intactes ses capacités au civisme, au sens de l'État, à une disposition presque naturelle à la démocratisation, malgré des décennies d'un régime policier parmi les plus durs de la planète. La Tunisie est en train de réussir sa révolution pour la simple raison qu'elle dispose de la plus grande richesse dont peuvent s'enorgueillir les peuples, la disposition sociétale au civisme, à la cohésion sociale, dans une vraie diversité, même dans un antagonisme politique. En Libye, comme en Algérie, malheureusement, le régime de Kadhafi avait miné toutes les valeurs civiques de la société, dont il avait volé le pays, la souveraineté et jusqu'à la dignité. Son régime avait gavé le peuple de discours creux, comme en Algérie, en même temps qu'il y inséminait une corruption systémique de masse. Il en a extirpé la moindre capacité à tout changement éventuel de système, à toute transition sereine. Il était tout à fait évident que le peuple libyen allait tomber de Charybde en Silla. C'était Kadhafi ou le chaos. De la même manière qu'aujourd'hui, le régime algérien nous dit ouvertement, publiquement, qu'il n'y a d'autre alternative que sa pérennité à lui ou la syrianisation de l'Algérie. Lui ou le déluge. En Libye, le naufrage était donc inéluctable. Pour tous ceux qui savent quel ravage Kadhafi avait commis sur les équilibres sociaux, sociétaux, tribaux, religieux, il avait infecter la mentalité et la société libyenne de maux qui l'ont rongé jusqu'à leur plus profond fondement. Il en a vite résulté ce que nous observons aujourd'hui. L'anarchie la plus débridée, l'apparition de seigneurs de la guerre, des groupes djihadistes aussi hétéroclites qu'ils sont dispersés, des dynamiques téléguidées par la CIA, une mainmise par des groupes armés sur des puits de pétrole, un exode massif de Libyens vers la Tunisie. De quoi inquiéter à juste titre les voisins et l'Occident
apprenti sorcier qui s'était posé en sauveur, mais qui n'a finalement réussi qu'à lâcher les fauves. La Tunisie voisine est déjà saturée de réfugiés libyens. Ils ont fait flamber l'immobilier. Ils se sont installés comme s'ils ne devaient plus retourner dans leur pays. Parmi eux, les pro-Kadhafi ne restent pas les bras croisés et s'activent avec beaucoup d'énergie pour rajouter de l'huile sur le feu. Ce n'est pas l'argent qui leur manque vraisemblablement. La Tunisie vient d'ailleurs de déclarer qu'elle allait être contrainte de fermer ses frontières avec ce pays, malheureusement. L'Algérie et l'Égypte se retrouvent donc d'un côté et de l'autre de la Libye, ne cachent plus leur inquiétude, surtout depuis que le califat Daesh a commencé à faire des émules un peu partout dans la région. L'Occident est tout aussi préoccupé, sinon plus. Il a déjà procédé à des frappes ciblées contre des troupes djihadistes, mais il semble avoir opté, cette fois-ci, pour une intervention par des pays arabes interposés, l'Égypte et l'Algérie en l'occurrence, les nouveaux gendarmes de l'Afrique du Nord et du Sahel. Pourtant, pour ce qui concerne l'Algérie, il y a un problème de taille. Selon Sellel, le Premier ministre, qui répondait à un député qui l'avait interpellé sur cette question de l'intervention en Libye, la constitution du pays, a-t-il dit, et la doctrine de l'armée interdisent formellement toute intervention de celle-ci en dehors des frontières du pays. Or, il ne fait pas de doute que l'armée algérienne a déjà collaboré avec des forces occidentales en Libye, dans des opérations au sol. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et qu'un vaste plan est en route pour qu'elle intervienne à l'avenir de façon très forte. Mais il faut signaler, nos invités vont certainement en parler, qu'il semble bien que le Premier ministre, M. Sellel, ait menti au Parlement et que ce dernier a été incapable de relever un mensonge gros comme le Titanic. Doublement menti en fait. D'abord en affirmant que l'armée algérienne n'est pas intervenue, alors qu'elle est intervenue, et ensuite qu'elle n'interviendra en aucun cas, et ensuite lorsqu'il a affirmé que la constitution algérienne interdit à l'armée d'intervenir hors de ses frontières, il semble qu'il n'en est rien, et que la constitution ne prévoit rien de tel. En tout cas, personnellement, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais bon, c'est la norme, c'est l'alien, lui qui s'est publiquement indigné d'avoir été traité de menteur. Publiquement, il s'est indigné. Comment ? Moi, menteur, moi ? Moi ? Et il a juré. Il a juré publiquement. C'est un comique méditerranéen. Aujourd'hui, le Parisien, Libye, la Tunisie voisine envisage de fermer ses frontières. Al-Watan. Libye, probable intervention militaire d'Alger ou du Caire. Le Monde, en Libye, le naufrage de la révolution. Pour en parler, nous accueillerons aujourd'hui Brahim Younsi, président de l'UDM, et Iskander Debbache, militant des droits de l'homme. Mais commençons par écouter Sellel dans ses œuvres, dans cette déclaration dont je viens de vous parler. Vidéo, s'il vous plaît. كان بعض الإخوة تكلم قال باللي أو سمع باللي الجيش راح يقوم بعمليات في دول أخرى هذه إحنا ما عندناش وما تكونش نهائيا وللأبد تنكرنا تكبط في لقاءه هنا ما تكونش غير يكونوا مهنيين نهائيا وللأبد إحنا الجيش تاعنا وهذا أمر دستوري هذا أمر دستوري وهذه عقيدة الثورة إحنا ما ندخلش في Le premier journal de ce mercredi 11 juin 2014, Marine de la Moissonnière. Bonjour. En Libye, la traque des djihadistes aurait commencé. Nous vous en parlions hier. Une offensive serait en cours dans le désert. Offensive menée par l'armée algérienne et les forces spéciales américaines et françaises. Alger dément. Pourtant, l'information émane de sources réputées très fiables qui se sont confiées à Akram Karieff, journaliste du quotidien algérien El Watan. Omar Waman l'a contacté. Il y a une intervention franco-américaine avec un soutien algérien plutôt. L'Algérie apporte un soutien logistique et militaire à cette opération. La présence algérienne consiste surtout
en une tentative de barrer tout reflux terroriste vers l'ouest ou vers le sud. Il doit y avoir un régiment de parachutistes et un demi-régiment de soutien, quoi, à peu près 5000 hommes, qui font le va-et-vient des deux côtés de la France. Voilà, il suffit de démentir. Ils font ce qu'ils veulent, ils disent non, non, c'est pas vrai. Voilà. Avec nous, Iskander Debesh, merci de nous avoir rejoints, Iskander. Bonjour, Jamal. Bonjour, ça va, Lebes, alhamdoulilah, Eid Mubarak. Ce que je voulais te dire, Jamal, je viens d'écouter le discours de Sellel, et là, j'en suis resté pantois. Eh oui. Je peux te dire. Il nous étonnera toujours. Sans sourciller. Oui, il nous étonnera toujours, ce monsieur. C'est un véritable phénomène. Absolument. Je peux dire sans sourciller qu'il ment, et c'est un menteur. Parce que non seulement l'Algérie a intervenu en Libye en y envoyant ses forces spéciales, mais ce n'est pas la première fois. L'Algérie a déjà intervenu en Somalie contre les Chababs somaliens aux côtés des forces armées éthiopiennes auxquelles elle a mis à disposition tous ses moyens logistiques et notamment son aviation de transport militaire. Et en conséquence, il y a eu même des dégâts puisque les Chababs s'en sont pris deux fois à des aéronefs de l'armée de l'air algérienne, des Ilyushin 78 MD Midas, tout neuf, absolument tout neuf, qui venait à peine d'être réceptionné par l'Algérie. Et le premier a été abattu parce qu'il a été touché au train d'atterrissage par un RPG tiré par des combattants des Chabab somaliens. Et le deuxième a été également endommagé. Mais le premier a été entièrement détruit. Eh ben. Ça s'est passé, l'intervention algérienne en Somalie s'était passée entre 2006 et 2009. En conséquence à cela, le 1er janvier 2011, il y a eu un acte de représailles. Un acte de représailles qui s'est déroulé, c'est-à-dire sous le gouvernement d'un acte de piraterie contre un navire de commerce algérien, le MV Blida, ouais. Où 25 marins algériens ont été pris en otage. Jamais depuis l'indépendance de l'Algérie, un mouvement subversif n'avait touché aux intérêts algériens en Afrique. Oui, oui. Et c'est la première fois, un groupe subversif, parce que attention, les pirates sont un peu liés au groupe subversif en Somalie. Oui. Ils ont partie liée avec les groupes subversifs, donc ça a dû se faire sur commande. Ils se sont attaqués à un navire de commerce algérien et ont pris 25 marins algériens en otage. Ça, c'était ça a été la conséquence. Mais bon, ensuite, l'affaire... Donc sinon l'armée algérienne est déjà intervenue, ce n'est pas la première fois. Mais on connaît aussi des histoires... d'intervention, de collaboration, de coopération du DRS avec la CIA, avec d'autres services secrets qui ne sera même pas utile de nommer pour ne pas trop salir l'armée algérienne en ces temps où Gaza est sous les bombes. Donc ils ont toujours collaboré avec les Occidentaux qu'ils vilipendent du haut de leur tribune, etc., le colonialisme. Absolument. Donc, absolument. Mais sinon... Mais ce que je voudrais dire, c'est comment on en est arrivé là. Oui. Bon, on en est arrivé là, Sidjamel, c'est-à-dire à la faveur de deux événements, c'est-à-dire à la faveur de deux événements distincts. D'abord, il y a eu l'offensive de la France-Afrique à partir de mars 1986, c'est-à-dire sous la gouvernance sous un gouvernement de droite à la faveur de la cohabitation, c'est-à-dire ça s'est passé sous la présidence de socialiste de François Mitterrand. Donc à ce moment-là, il y a eu une grande offensive de la France-Afrique avec Jacques Foccart qui a attaqué pratiquement tous azimuts et qui s'est terminé bien sûr par une série de coups d'État avec des massacres à peu près dans tous les pays d'Afrique. Hein. Il n'y a pas eu que l'Algérie qui a été touchée par les massacres.
Alors, au moment où il y avait des massacres en Algérie, des massacres organisés par les forces armées algériennes contre les Algériens, contre des villages en Algérie, en même temps, il y a eu des massacres aussi au Rwanda, notamment au Libéria, en Sierra Leone, au Kivu, au Congo, etc., et dans d'autres pays d'Afrique. C'est-à-dire, l'attaque, elle était absolument... foudroyante. L'offensive de la France-Afrique a été pratiquement foudroyante. Et tout cela a été piloté, bien sûr, par qui l'on sait, par les services français notamment, et des personnes que l'on connaît bien, puisque plusieurs personnalités ont été impliquées justement dans ces faits. Et en Algérie, voilà, il y a que les services algériens ont passé à un stade de non-retour avec les massacres de population civile. Oui, oui. Les massacres de population civile, et à partir de là, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Ouais. Ils ont compris trop tard qu'ils ne pouvaient absolument plus rien faire. Que si la France leur donnait l'ordre, parce qu'il n'y avait pas que la France qui s'est mise dans la course, il y avait aussi les États-Unis qui ont voulu profiter de l'aubaine. Qui leur faisaient du chantage aux poursuites internationales pour crimes contre l'humanité. Absolument. Mais voilà. Bon, c'est un peu comme, vous savez, un peu comme contre Saddam Hussein, hein, quand on lui a fait du chantage pour crime contre l'humanité, pour l'affaire des armes chimiques utilisées dans le nord de l'Irak, oui, contre les Kurdes. Bon, il y avait cela, mais sauf que à la différence, c'est qu'en Algérie, le régime était absolument honni par la population. Oui. La population criait ouvertement dans la rue pour voir assassin. Oui. Il savait qu'il jouait sur du velours. Restez avec nous, Iskandar Debbache. Nous allons accueillir notre ami Brahim Younsi, président de l'UDM. C'est Brahim, merci de nous avoir rejoints. C'est Brahim. Brahim Younsi. Oui. Ahlan bik, c'est Brahim. Khouya, on a difficilement pu mettre la main sur vous. Vous étiez perdu dans l'espace. Alors donc il y a eu une mauvaise compréhension entre nous de ma part en tout cas. Je pensais que tu avais trouvé quelqu'un. Non. Il était question qu'il y ait avec nous Monsieur Brahim Younsi, qui soit d'accord, accompagné par un autre analyste pour faire ensemble j'avais donc mal compris. Alors c'est Brahim. Avant de commencer à en parler. Puisque vous n'étiez pas là, on va repasser un court passage de Sedlel. Vous avez, je vais d'abord vous poser une question. Vous l'avez entendu le jour où il a dit je suis un menteur, moi. Wallah al-azim, mani kdhab. Vous l'avez entendu ? Absolument. Bon. Absolument. Alors, je vais vous faire entendre un extrait de ce qu'il va dire maintenant. D'accord. أو سمع باللي الجيش راح يقوم بعمليات في دول أخرى هذه إحنا ما عندناش وما تكونش نهائيا وللأبد تنكرنا تنكبط في لقاء هنا ما تكونش غير كونوا مهنيين نهائيا وللأبد إحنا الجيش تاعنا وهذا أمر دستوري وهذه عقيدة الثورة إحنا ما ندخلش في أمور جيراننا. Alors, Ibrahim, vous avez entendu ? Oui, globalement, oui. Alors, d'abord, il dit, on n'est jamais intervenu, on n'interviendra jamais, l'il abd, à l'éternité. Et ensuite, il dit, c'est la Constitution qui en dispose ainsi. Tout à fait. Notre ami Iskandar Debbache vient de nous dire, d'abord, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas seulement la première fois en Libye. L'armée algérienne est déjà intervenue en Somalie, où s'est fait descendre un avion et abîmer un autre par les Shabab, que c'est une pratique ordinaire hein, de gendarmes sur mesure. Et ensuite, cette histoire de constitution, vous-même qui êtes assez pointu en la matière, assez au fait de ces choses-là, est-ce que la constitution algérienne, comme l'affirme Sedlel, prévoit que l'armée algérienne ne peut pas intervenir en dehors de ses frontières ? Jamais. Ah, jamais. Je me le disais. Aucune constitution, je dis bien aucune, depuis 1963, depuis la première constitution de 1963 jusqu'à la dernière révisée, aucune constitution algérienne n'a prévu la non-intervention de l'armée algérienne à l'extérieur de ses frontières ou hors de ses frontières. Mais c'est énorme alors. Et ce qu'il a dit, il ne l'a pas dit à un journaliste,
Il l'a dit devant le Parlement à la suite d'une interpellation d'un député. Et c'est passé à la télévision nationale. Et aucun, personne, aucun juriste, aucun journaliste, aucun constitutionnaliste, aucun parti politique n'a relevé cette énormité. Absolument, absolument. C'est incroyable. Absolument. C'est incroyable. De toutes les façons, ce n'est pas la première fois et ce n'est pas sur cette question seulement que la Constitution, on lui en fait dire à la Constitution ce qu'elle n'a jamais dit. Ce n'est pas la première fois. Vous pourriez nous dire autre chose pour mettre un peu de sel dans ce qui est déjà très salé. C'est le cas aujourd'hui. Oui. Depuis la Constitution de 1996, c'est en effet le cas. Oui. Mais la Constitution de février 1989, elle ne prévoyait pas, par exemple, l'interdiction des partis fondés sur la religion, etc., etc. Oui. Or, tout le monde affirmait à haut cri que la Constitution interdisait, par exemple, la reconnaissance du Front islamique du Sahel. Absolument. Tout le monde invoquait la Constitution pour dire que la reconnaissance du fils et son agrément étaient anticonstitutionnels. Tout à fait. Alors que cela est fondamentalement faux, constitutionnellement faux. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une loi, la loi sur les partis politiques, qui prévoyait, effectivement, qui disait que les partis fondés sur la religion qui appartenait à des internationales, etc., étaient interdits. Voilà. N'avaient pas le droit d'exister. Mais c'est la loi elle-même qui était anticonstitutionnelle. Voilà. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel n'a pas fait son travail, ou méconnaissait, ou ignorait, ou méprisait, ou a fait exprès d'ignorer. Qu'il a complètement. Voilà. Complètement. Et la majorité, sinon la quasi-totalité des députés algériens et du personnel politique algérien, et parmi tous les leaders, reconnaissent et ne connaissent pas la Constitution. Eh ben, c'est malheureusement vrai, parce que nous le constatons aujourd'hui. Vous venez de nous confirmer que la Constitution ne prévoit pas ce que M. Sedlel affirme qu'elle prévoit, c'est-à-dire notamment intervenir en dehors de ses frontières, hors d'un état de guerre. Donc, il l'a dit face à un Parlement. Personne n'a relevé, ni les présidents des partis politiques, ni la presse, ni les constitutionnalistes, ni personne. Mais sinon, qu'est-ce que vous pensez de cette intervention de l'armée algérienne, aux côtés, paraît-il, de l'armée égyptienne qui se profile déjà à l'horizon, en Libye, contrairement à ce qu'affirme M. Sedlel? On peut penser que, de toutes les façons, l'Occident, de façon générale, les États-Unis et la France en particulier, ont intimé l'ordre à des pays du Maghreb, aux armées maghrébines, d'intervenir en Libye. Certains journaux parlent de barrage pour combattre le terrorisme, ou ce qu'ils appellent le terrorisme. Pour endiguer le terrorisme. Absolument. Absolument. Du côté l'armée algérienne est partie prenante, notamment avec l'armée égyptienne. Il y a même les Marocains qui sont engagés, l'armée tunisienne qui est engagée, etc. Il n'y a pas que l'armée algérienne. Ça veut dire allons devenir les gendarmes de ces messieurs qui ne veulent plus se salir les mains, les poings. Ils sont les sous-traitants depuis déjà, notamment depuis que l'Égypte a fait le coup d'État aux frères musulmans. Voilà. Toute cette partie du monde est sous l'autorité et sous la direction des États-Unis d'Amérique notamment, de l'OTAN en particulier, pour effectivement endiguer, comme vous dites, toutes les actions dites terroristes dans cette région du monde. D'après vous, j'ai ma petite idée sur la question, mais je vais vous la poser, puis je la poserai à Iskandar. D'après vous, qui seraient les commanditaires de cette stratégie, de cette tactique? Qui serait derrière? Qui est derrière la réélection de Bouteflika, l'élection de Sissi, le dégommage de Morsi et l'érection de ces pays en gendarme? Pour le deviner ou le savoir. Oui, mais dites-le nous.
C'est les États-Unis d'Amérique. Oui. Et les États-Unis d'Amérique, il y a des sous-traitants aussi en Europe, la France en particulier. Oui. Et l'Israël, il n'aurait pas quelque chose à voir là-dedans? Je n'ai pas entendu. Israël ne serait pas impliqué? Non, de toutes les façons, toutes ces actions-là, Israël, même quand elle n'est pas impliquée de façon directe, elle est impliquée de façon indirecte. Tout cela se fait dans le but de la protection de l'État d'Israël. D'accord. Iskandar. Cela est clair. Iskandar Debbache. Oui, je suis là. Je vous pose la même question. D'après vous, qui serait derrière? Qui est le tireur de ficelle à Pantin? De ces futurs gendarmes qui vont intervenir maintenant sur ordre de leur boss, de leur patron. Jamal, en ce moment, on est en train d'assister à une corrélation dans l'action de plusieurs actions conjuguées, c'est-à-dire à travers le monde. D'abord, on a vu l'émergence ces derniers temps d'une mouvance ultra-sioniste en Europe. Oui. Cette même mouvance ultra-sioniste qui a fomenté le renversement du pouvoir en Ukraine, un renversement qui s'est fait contre un gouvernement légalement élu, attention. Oui, oui. Et en l'occurrence, le gouvernement Yanukovych. Ensuite, et tout ça se fait, c'est-à-dire tout cela est coordonné un peu par les États-Unis. Et tout ça, si vous voulez. Et en ce moment, bon, il y a cette mouvance d'Afrique du Nord, enfin du Maghreb arabe, en corrélation avec l'Égypte, avec la péninsule arabique, les pays composant la péninsule arabique, etc. Et derrière tout ça, on a un chef d'orchestre. On suppose que ce sont les États-Unis. Personnellement, moi, je n'ai pas de. Je ne fais que constater les effets de ce mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Et Iskandar Debbache, je vous remercie. On va être obligé d'abréger. On est arrivé presque à la fin. Merci de nous avoir accompagnés. J'espère vous retrouver bientôt. Brahim Younsi. Pour clore cette discussion en moins d'une minute, d'après vous, qui est le vrai chef, le maître d'œuvre? États-Unis ou France? Ou Israël? Les maîtres d'œuvre, ce sont les États-Unis d'Amérique. D'accord. Il n'y a pas de doute à cela. Et la France est donc un sous-ordre. Le bénéficiaire direct de ces actions, c'est évidemment Israël. C'est évidemment Israël. Et pour revenir à l'Algérie, l'Algérie ne peut pas ne pas intervenir. Dans la mesure où le Maroc est, lui, impliqué dans ces opérations. D'accord. L'Algérie a la question du Sahara occidental qui lui pend toujours au nez. Oui. Cette question-là, il faut le dire, sans porter atteinte aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, est devenue la pierre angulaire de la politique étrangère algérienne, en lieu et place de la question palestinienne, et ceci depuis le milieu des années 70. Merci Brahim Younsi, merci, en espérant vous revoir bientôt. Cette émission est maintenant terminée. Bonsoir, salam alaikum, à demain.